du Parc Saint-Paul pour l'élection de Miss Oise 2020. Ça y est, la journée vient de se terminer pour nos candidates. Vous allez vivre en direct la proclamation des résultats, qui s'est déroulée bien sûr également ici, avec la délibération du jury il y a quelques minutes. Voilà, contexte inédit, bien sûr, vous l'avez vécu dans la Somme et dans l'Aisne. C'est le même contexte ici dans l'Oise. Elles étaient il y a quelques minutes face à notre jury. Et notre petit public, leurs proches, vous pouvez leur faire un petit coucou. Applaudissements, merci à vous. Merci à vous d'avoir été à nos côtés pour soutenir les candidates. Alors bien sûr, maintenant, il reste une chose à découvrir. Les 5 dernières qualifiées pour l'élection de Miss Picardie 2020, le 11 octobre, dimanche 11 octobre à 15h à l'Hélice-Place de Beauvais. Attention, hein, puisque cette année, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons réaliser cette élection en public. Donc on vous donne rendez-vous à partir de mercredi pour réserver vos places. Ouverture de la billetterie mercredi à 19h. Alors aujourd'hui, pour élire Miss Oise et ses 4 dauphines, il y avait un jury que je vais vous présenter. Ils vont venir nous rejoindre tout de suite, chers membres du jury. N'hésitez pas à venir me rejoindre, Kitty, vite, s'il vous plaît. Bruno Marchetti aussi, qui était avec nous, l'ancien maire de Tillé. Carlos Rebouco et son épouse Alexandra Rebouco également, aux épis blés, je vous en prie, chers membres du jury. Merci d'être avec nous. Kitty Hinard, bien sûr, notre partenaire coiffure, notre belle Coralie Lefebvre, bien sûr, qui a été Miss Oise et troisième dauphine de Miss Picardie. Mégane Carmi, il y a quelques jours aussi, son titre de Miss Beauvaisis. Gwenaëlle Bénistan, que vous connaissez, notre styliste, le chat des fils à Beauvais. Notre belle Miss Picardie aussi, 2015, Émilie de la Place, qui a d'ailleurs été Miss Oise. Et Charlotte Forestier, notre chorégraphe. À nos côtés également, pour cette remise de titre, je suis ravi bien d'accueillir Guylaine Capgras, qui représente la municipalité de Beauvais en tant que conseillère municipale. Bienvenue Guylaine, merci beaucoup de votre présence. Et Monsieur Charles Loquet aussi, pour le département de l'Oise. Merci Charles également de votre présence, avec un petit cadeau dans un instant pour notre Miss Oise. Avant d'accueillir nos 26 candidates, puisque c'est un record, 26 candidates, nous allons accueillir la présidente de l'organisation Miss Oise, Isabelle Tassin, que je vous demande d'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Comment ça va, Isabelle? Ça va bien. On a tous pratiquement été d'accord, c'est pour ça que ça a été assez vite, les résultats. Et puis voilà, maintenant je sais qui est ma nouvelle Miss Oise 2020. J'espère que je lui souhaite un aussi beau parcours que Morgane. Et bien justement, en parlant de Morgane, nous allons l'accueillir, celle qui remet son premier titre aujourd'hui, celui de Miss Oise. Bien sûr qu'on la retrouvera le 11 octobre prochain pour l'élection Miss Picardie, puisqu'elle est Miss Picardie 2019. Merci de lui réserver un maximum d'applaudissements. Voici Morgane Frado. Bienvenue Morgane, ça y est, dans un instant nous allons connaître les 15 candidates qui vont succéder peut-être à ton titre de Miss Picardie, mais je sais qu'il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui pour ce titre de Miss Oise, c'est là où tout a commencé. Alors effectivement, c'est là que tout a commencé pour moi. Alors c'est l'heure pour moi de faire mes remerciements à tout le comité Miss Oise de leur soutien, notamment à Isabelle et Stéphane Tassin. Je voulais vraiment vous adresser un petit mot, c'est que merci pour tout. Merci d'avoir cru en moi. Merci d'avoir été aussi présent pour moi. Je suis désolée, je suis un peu émue. Pour moi, vous êtes bien plus que les présidents du comité Miss Oise. Je vous considère vraiment comme ma famille adoptive, comme tu as si bien dit tout à l'heure. Je suis un mot beau family. C'est ça, je vous aime très fort et vraiment merci pour tout l'amour que vous avez pu m'apporter. Et je voulais rassurer les parents dans la salle qui vont voir la future Miss Oise. Je vous garantis qu'elles sont entre de très bonnes mains. C'est des personnes bienveillantes, gentilles et qui vont vraiment encourager votre fille et les pousser au-delà de ce qu'elles peuvent faire. Vous allez vraiment les pousser, les filles. Donc soyez rassurées, vos filles seront entre de très bonnes mains. Donc merci Isabelle, merci Stéphanie qui n'est pas sur scène. Je vous aime fort et pour vous remercier, je vous ai fait un petit cadeau. Comme il y a écrit sur la boîte, un petit mot d'amour et du chocolat. Et je vous offre un petit cadeau pour toi. Pour toi, Stéphane.
petit peu pour... Ça va être chaud. Je vais faire mon petit discours que j'ai noté parce que tu sais que avec ce que j'ai eu, j'oublie tout. Mais toi, je t'oublierai pas. Ma chère Morgane, nous voilà ici aujourd'hui pour l'élection de Miss Oise 2020 où tu vas rendre ton premier titre. Tout a commencé en mai 2009, tu as été sacrée Miss Oise. Et j'ai une petite anecdote, tu es la première Miss Oise à rendre ton titre au bout de plus de un an. Il est vrai, ma chère Morgane, que ton année a été particulière et d'ailleurs pour tout le monde face à ce virus Covid-19. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier quand Maxime, notre cher délégué que j'aime beaucoup aussi, a prononcé cette phrase « Miss Picardie 2019 et la candidate numéro 5 ». Et voilà, ça y est, tu étais qualifiée pour l'élection de Miss France. Quelle joie et quel honneur de te voir monter sur la plus haute marche du podium, d'autant plus que l'Oise a remporté cette année-là sur le podium 3 écharpes. La fierté que tu sois finaliste au concours Miss France, et là aussi c'est une grande première pour notre département, et 8e du concours Miss France, une place très honorable, même si on pense tous que tu méritais un top 5. Nous avons sillonné ensemble notre département, tu as été une parfaite ambassadrice. Merci pour ta disponibilité, ton magnifique sourire et ta bienveillance. Aujourd'hui, lors à sonner de rendre ton premier titre, une page se tourne mais un livre s'est ouvert car comme on le dit toujours dans notre grande famille Miss Picardie, Miss un jour, Miss pour toujours. Merci, merci ma belle Morgane, je te souhaite beaucoup de bonheur et de joie sur ton chemin de vie et je suis sûre que de belles choses t'attendent. Et je tenais à t'offrir aussi un petit cadeau. On est une grande famille et qu'il y a des sentiments qui naissent au bout d'un an, forcément on est attaché. Enfin en tout cas moi je la protège comme si c'était ma fille parce que... Donc il ne faut pas avoir peur hein, pour les parents là où les 5 filles vont être élues ce soir. Je vais bien m'en occuper. Soyez-en rassurés, j'aimerais qu'on applaudisse Isabelle Tassin et Morgane Fragon, ma belle Picard, vous en sûr. Moi je te garde encore un petit peu, hein. Encore un mois à mes côtés bien sûr, pour élire celle qui lui succédera sera le 11 octobre. Je t'en prie Morgane, Isabelle, je t'en prie également, puisqu'il est temps maintenant d'accueillir ici sur la scène du Parc Saint-Paul, ben, celle avec qui on a partagé la journée, et croyez-moi, 26 jeunes femmes fantastiques. Elles sont venues ici se défendre sur cette scène face à ce jury, c'était franchement pas simple, mais elles se sont très très bien sorties. Je vais vous les présenter, mais juste avant, un petit mot des cadeaux aussi qu'elles vont remporter, notamment nos gagnantes et Miss Oise 2020 qui va repartir aujourd'hui avec un billet d'avion aller-retour au départ de l'aéroport de Beauvais. Merci beaucoup pour l'aéroport de ce très beau cadeau. La Miss choisira sa destination, c'est bien sûr Bruno Marchetti qui remettra ce cadeau. Merci également à l'agglomération du Beauvaisis qui offre les bouquets de fleurs cet après-midi à nos gagnantes et à toutes les candidates d'ailleurs. Merci encore à Alice Gogora, notre photographe avec qui Miss Oise va réaliser son shooting officiel. Merci aussi à Corinne Defarme, la marque beauté de Miss France qui va remettre aussi quelques cadeaux à nos élus aujourd'hui. Puis merci aussi département, c'est ça hein Charles? Ah, c'est Charles Hockey lui-même qui offre ce petit cadeau à Miss Oise. Merci Charles pour sa délicatesse et cette générosité. Merci aussi à Peugeot Absis Beauvais, notre partenaire officiel, notamment en Miss Picardie, qui va offrir un casque focal à Miss Oise aux couleurs bien sûr de Peugeot et également aux Dauphines, je crois, qui vont repartir. Et la Miss aussi avec une enceinte Bluetooth 2008. Ça, c'est très sympa aussi. Vous pouvez mettre ça partout un petit peu dans la voiture. Donc voilà, merci à Peugeot Absis Beauvais pour tous ces cadeaux. Et merci à nos partenaires. Vous pouvez les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci. Voici la première candidate. Elle s'appelle Lucie Balini, candidate numéro 1. Candidate numéro 2, Pauline Bichet. Candidate numéro 3, Charlotte Carrel. Candidate numéro 4, Amelia Coelho. Candidate numéro 5, Célestine Coin. Candidate numéro 6, Modaline Cornillon. Candidate numéro 7, Joël Dalmas.
Candidate numéro 8, Laurine de Cuper. Candidate numéro 9, Tara de Metz. Candidate numéro 10, Caroline Deneville. Candidate numéro 11, Kéra Derfouf. Candidate numéro 12, Célia Fontaine. Candidate numéro 13, Morgane Gambier. Candidate 14, Margot Godin. Merci de les applaudir bien fort, comme la candidate 15, Florine Guette. Cornélie Hector, candidate 16. Candidate 17, Céline Hulz. Candidate 18, Victoria Jaunet. Candidate 19, Sephora Masakidi. Candidate numéro 20, Jenna Matsili. Candidate numéro 21, Julie Morel. Candidate numéro 22, Julie Pilon. Candidate numéro 23, Agathe Poilet. Candidate numéro 24, Julie Rousselot. Candidate numéro 25, Marianne Savard. Et enfin, candidate 26, Sacha Volanski. J'aimerais vraiment qu'on applaudisse bien fort nos 26 candidates aujourd'hui. Et nous allons tout de suite découvrir eh bien, la première écharpe, première éleue de l'Oise, qui ira représenter les couleurs du département pour l'aventure Miss Picardie, qui est quatrième dauphine de Miss Oise 2020. On découvre tout ça en musique. L'écharpe sera remise bien sûr par Morgane et le bouquet qui sera remis par Guylaine Capgras. Qui est la première qualifiée pour l'Oise, qui va partir vivre l'aventure Miss Picardie le 11 octobre prochain, dans un mois. Le jury a choisi et la quatrième dauphine de Miss Oise 2020 portait le numéro 24, Julie Rousselot. Rousseau, quatrième dauphine de Miss Oise 2020, vous pouvez l'applaudir bien fort. Bravo, félicitations mademoiselle, vous êtes la première qualifiée pour l'élection de Miss Oise, je vous en prie, félicitations. Alors on continue bien sûr à découvrir les prochaines, toujours en musique, découvrons la troisième dauphine de Miss Oise 2020. Et j'en profite pour remercier Mélanie Vin, notre graphiste, à nos côtés pour cette édition 2020. Troisième dauphine, l'écharpe sera remise par notre Miss Picardie Morgane et le bouquet remis par Alexandra Robouco. Merci encore à l'agglomération du Beauvaisis pour ces magnifiques bouquets. Troisième dauphine de Miss Oise 2020, aujourd'hui ici, élue au Parc Saint-Paul. La troisième dauphine de Miss Oise 2020 qui rejoint Julie. Eh bien, cette troisième dauphine est la candidate qui portait le numéro 7, Joé Delmas. Bravo Joé. Une petite photo, bien sûr. Troisième dauphine de Miss Oise. Félicitations, mademoiselle. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Bravo. Oh l'émotion et de la surprise pour notre troisième dauphine. Bravo mademoiselle. Alors il reste trois écharpes à remettre. Nous allons maintenant découvrir qui est le deuxième dauphine de Miss Oise. Et c'est bien sûr Morgane qui va remettre l'écharpe. Le bouquet sera remis par Mégane Turminel. Alors qui est deuxième dauphine? Réponse en musique. Encore trois places. Et 24 jeunes femmes, plus belles les unes que les autres.
choix a été fait avec le discours et vos passages. Deuxième Dauphine de Miss Ouest 2020 qui sera sur la scène de l'Hélispace pour Miss Picardie. La deuxième Dauphine de Miss Ouest 2020 portait le numéro 1, Lucie Panini. Deuxième Dauphine de Miss Ouest 2020, vous pouvez l'applaudir bien fort. Bravo Lucie. Ah, encore deux écharpes. Celle de première Dauphine et bien sûr celle de Miss Ouest. Les taux se resserrent. Il nous reste deux places pour compléter la promotion de Miss Picardie 2020, qui est première Dauphine. On découvre tout ça en musique. Écharpe promise par Morgane, le bouquet par Coralie Lefebvre. Miss Ouest et troisième Dauphine de Miss Picardie. Un choix à faire. Forcément des déçus aujourd'hui, mais un sourire qui va s'afficher sur le visage de notre première Dauphine de Miss Ouest 2020. Alors qui est-elle? La première Dauphine de Miss Ouest 2020. Et la candidate qui portait aujourd'hui le numéro 11, Kéra Berfouf. Félicitations mademoiselle Kéra Berfouf, élue première Dauphine de Miss Ouest 2020. Applaudissements. C'est le grand moment. Qui va devenir Miss Ouest 2020? Nous avons découvert les premiers visages. Quatre Dauphines. Il reste l'écharpe de Miss Ouest 2020. Nous allons découvrir ça dans un instant avec bien sûr Amélie Delaplace, notre Miss Ouest 2014, Miss Picardie 2015, qui va remettre cette écharpe. Notre belle Morgane, le diadème de la nouvelle Miss Ouest. Et Charles Loquet, le bouquet de l'heureuse gagnante. Qui est Miss Ouest 2020? La réponse est en musique et c'est maintenant. Qui va représenter les couleurs de son département durant une année? Partir vivre l'aventure Miss Picardie. Un rêve qui va devenir réalité tout de suite et peut-être s'envoler pour l'aventure Miss France. Miss Ouest 2020, élue au Parc Saint-Paul, et la candidate qui portait le numéro 9, Tara De Metz. Voilà l'émotion, bien sûr. Beaucoup d'émotions pour Miss Ouest. Notre belle Émilie lui remet l'écharpe de Miss Ouest 2020. Beaucoup d'émotions pour Tara et le diadème remis par Morgane Fradon. Miss Picardie, vous pouvez applaudir notre Miss Ouest 2020, Tara De Metz. Et le bouquet remis par Charles Loquet. Madame, Monsieur, Miss Ouest 2020, Tara De Metz. Et j'aimerais vraiment du fond du cœur qu'on applaudisse toutes les autres candidates qui n'ont pas de vérité et qui méritent aussi nos applaudissements. Merci mesdemoiselles.
Ma chère Niçoise, venez me rejoindre. Félicitations. C'est vous qui allez représenter les couleurs du département de Rouen. Beaucoup d'émotions. Est-ce que vous avez un petit mot à nous adresser? Je voulais vous remercier tout le monde déjà de vous être déplacé aujourd'hui dans ces conditions si particulières. Et aussi à tous les membres du jury. Je sais que ça n'a pas dû être facile. On était toutes de très belles candidates. Je voulais remercier toutes les candidates. C'était vraiment, ça a dû vraiment être un choix très difficile à faire. Et je vous promets de tout faire pour que la couronne de Miss Picardie reste dans l'Ouest cette année encore une fois. Voilà le sage mot de notre nouvelle Missoise. Applaudissements pour Tara Demet. Félicitations, mademoiselle. Rendez-vous à l'élection Miss Picardie. Je vous en prie. Voici Niçoise et ses quatre dauphines, les cinq qualifiés pour l'Ouest.